Il est maintenant notre plus grand ténor français. Il a inscrit plus de 60 rôles à son répertoire. Il s'est aussi bien produit au Metropolitan Opera de New York, à l'Opéra de Paris, au Staatsoper de Vienne, à la Scala. Eh bien, il va poser, je crois pour la première fois de sa vie, ses valises, très longtemps à Paris, pour un nouveau projet, une comédie musicale. Roberto Alagna interprétera à partir du 28 janvier, chaque soir, aux Folies Bergères, Al Capone, dans un spectacle écrit et composé par Jean-Félix Lalanne. À ses côtés, Bruno Pelletier sera Elliot Ness, Angoon, la maîtresse d'Al Capone, et Kaina Blada, sa sœur. Il nous en offre, Roberto Alagna, aujourd'hui un premier extrait. Je vous explique le moment. Rita, la sœur d'Al Capone, est venue à Chicago lui annoncer la mort de leur père. Dans cette chanson, Al Capone révèle à sa sœur, qui ignore toutes ses activités, qu'il appartient à la pègre. L'orchestre de 42e rue, avec à la guitare l'auteur-compositeur Jean-Félix Lalanne et Roberto Alagna. C'est bon, Jean-Félix ? Si j'étais plus attendu que je n'étais désiré, mon jardin dans la rue, les pierres m'éjouaient. Une mère dont je suis fier, mais une vie sans fou rire. Chaque jour qui passe me donne envie de fuir. Ouvrez-moi cette fenêtre, priez que la neige fonde, permettez-moi de renaître dans un autre monde. Un jour viendra où tu sauras que vit en moi. Je sais que ce que je suis doit pouvoir trouver sa place entre monstres et incompris, entre feu et glace. Un monde m'attend ailleurs, serais-je méchant ou héros? J'apprendrai qui est vainqueur dans les journaux. Une vie sans histoire, et c'est là tout le problème. L'anonyme est dérisoire, mais pas la haine. Un jour viendra où tu sauras que et non, non.
Roberto Alagna, Jean-Félix Lalanne.